bonito encontrarte, porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos. Ya no aguanto el castigo. Je t'offre un verre pour fêter ça. Pourquoi tu fêterais pas ça avec Paola? Parce que c'est terminé. Tu es un menteur et un hypocrite. Écoute, je ne te mens pas. Je t'ai vu au bureau, Esteban. Tu embrassais Paola. Ne le nie pas. S'il y a une chose qui m'énerve, c'est que tu me mentes. Si ça avait été le cas, je te le dirais. Oh oui. Oui. C'est bon, continue de l'embrasser. Profites-en bien, parce que tu ne me toucheras plus. Si tu veux dire quelque chose de méchant, alors surtout dis rien. Eh ben, si c'est méchant de dire que cette femme est mariée, bah ben alors, je dis rien, regarde. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Floris me l'aurait déjà dit. Violetta a essayé de te le dire, mais tu n'as pas compris. Ou alors tu voulais pas comprendre. Violetta! Violetta! Florencia me laissera jamais tranquille. Elle prendra jusqu'à mon dernier peso. Et alors, on s'en fiche. Retrouve ta liberté, Bruno. Avec quoi on vivrait, ton argent? Inès, je t'en prie. Oui, dans le passé, j'ai cru que ça pouvait être une solution. Aujourd'hui, je sais que non. J'ai eu du mal à faire ma propre fortune, je vais pas la lui donner. Mais, et nous? Et notre amour? On va vraiment continuer comme ça? Tu vas me mettre dans cette situation? Je serai toujours l'autre! Non, tu n'es pas l'autre, tu es la seule. Je déteste Florencia. Écoute, dès qu'elle aura la chance d'aller avec quelqu'un de plus riche que moi, c'est elle qui me dira elle-même d'aller au diable. J'en doute vraiment. Et si cette opportunité se présente jamais? S'il te plaît, Inès, ne me quitte pas. Ne m'enlève pas ma seule raison de vivre. Attends, Violetta. Où t'as entendu que Floris était mariée? Tu sais, ce serait bien que tu lui écrives comme pour moi. Elle me l'a écrit et j'ai tout compris. C'est la femme de Bruno? Depuis quand? C'est pas possible. Pourquoi tu la crois pas? Elle la connaît depuis longtemps par ton demi-frère. Et puis pourquoi est-ce qu'elle te mentirait? Désolé, mon frère, mais ne te fais pas de faux espoirs. C'est que j'arrive pas à le croire, mon frère. J'arrive pas à croire que Floris m'ait menti. Bah, et pourquoi pas lui demander directement, comme ça tu sauras. Non, ça va pas. Toi, demande-lui. Quoi? Pourquoi moi? Et moi? Et toi? J'ai essayé toutes les dates que tu m'as données. Différentes combinaisons, mais rien. Attends, ça peut pas être si compliqué. Il nous manque un truc. Je peux entrer? Oui, vas-y. Je peux vous aider? On veut accéder au dossier sur l'ancien ordinateur de mon père. J'imagine que vous avez déjà tenté les dates importantes. Vous avez essayé de combiner ces dates avec des initiales? Il y a les anniversaires aussi. Ou s'il y a des choses que votre père aimait, vous augmenterez vos chances, je pense. On va faire ça, Célia. Merci. J'ai besoin que vous signiez ces contrats. Quand c'est fait, prévenez-moi. Bonne journée. Bien sûr. Merci. Essayons ce qu'a dit mon assistante. J'espère que ça va marcher. Quand je sortirai, je te laisserai mon portable avec les coordonnées de l'entreprise. J'ai mis les numéros de notre entreprise sur le nouveau. Si Emilia me cherche, dis-lui que je travaille. Et si elle veut que je l'appelle, tu me préviens. Donc, tu seras avec Bettina et tu veux que je te couvre? Il faut que je lui fasse croire qu'on est ensemble pour qu'elle continue les tournages. Donato, j'ai bien peur que tu tombes dans ce petit jeu d'adolescent. Bien sûr que non, tout est sous contrôle. Écoute, ce qui est important, c'est qu'elle sente que je l'adore, qu'elle garde cette sensation et qu'elle tourne, c'est ce qu'on veut, non? Fais très attention, tu joues avec le feu. Tu crois que je vais prendre le risque maintenant qu'Emilia est tombée enceinte? Vraiment? Et tu ne m'as rien dit. Félicitations, trinquons à ça. Merci. Ça, je le fais juste
pour l'entreprise. Santé. Merci. De rien. Bettina, qu'est-ce que tu fais ici? Merci d'être venue me voir. Ton école est géniale, ça rigole pas, hein? Ah ouais, j'aimerais vraiment y aller. Ouais, enfin, parfois, c'est ennuyeux. Je me demande combien de temps je vais tenir, enfin. Et tu me dis que ton prof t'a vraiment dit que tu devais l'attendre? Ouais, littéralement jusqu'à la dernière heure. Je pense qu'il voulait que je m'agenouille et que je le supplie de me laisser retourner à l'université. Eh ben, peut-être qu'il te teste, tu crois pas? Je le fais parfois avec mes élèves. Enfin, juste avec ceux qui ont du potentiel. Oh, hé, hey, ce serait cool de venir te voir au lycée pro, non? Ce serait comme un méga voyage et tout. Ouais. Tu sais que c'est toi mon moteur. Hmm? Tu me fais sentir que je peux conquérir le monde entier. Lucia Lombardo, viens avec moi. Je reviens. Ok. Cousine, je suis venue déposer des papiers à la boîte de production. Ah. Tu vois, les bureaux sont ici, mais je vais retourner à Guadalajara. Oh non, viens dormir chez moi. Tu me raconteras comment ça va, le boulot. Cousine, c'est que... Non, je peux pas. J'ai un rendez-vous. Je veux dire, un casting très important. Alors au moins un café. Allez, cousine. Je peux pas, sérieux. J'ai l'impression que ça ne va pas. Tu n'aimes pas ce boulot? Non, si, j'adore ça, je suis très heureuse. Je t'appelle dans la semaine, ok? Oui. Je t'aime, cousine, prends soin de toi. Je dois vraiment rentrer tout ça? Oui. C'est trop de papier, regarde ça. Et vous, vous faites quoi? Moi? Oh, je vais faire mes ongles pendant que tu travailles. Quoi? Bah, je vais travailler comme toi, regarde tous les papiers que j'ai ici. C'est pareil, Alvaro, on travaille tous les deux. Ah oui, c'est pareil. J'ai une vie, je dois aller voir ma copine. Regardez-le. Ah oui, bah moi aussi, j'ai une vie. T'as qu'à voir ta petite amie ou qui tu veux demain. Arrête de te plaindre, mets-toi au travail. Et soyons sérieux. Non, mais il me saoule tellement, ce professeur. C'est le seul qui a dit « mais » pour que je puisse revenir. Bah, franchement, je trouve que ça va, non? Tu dois seulement préparer un seul examen. Après tout ce que t'as manqué, ça va. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, je voulais te dire... Tu veux venir dîner chez moi ce soir? Tu crois que c'est une bonne idée? Tu viens juste de quitter Alvaro. Oh, et alors? Alors là, ils n'ont pas le droit de me dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Et encore moins mon père, qui a rompu avec Paola et qui me force à vivre avec l'autre là. Celle-là. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas tout. Écoute, ton père, il me connaît comme prof. Mais moi, j'aimerais qu'il... Ouais, qu'il voit ce qui me passionne vraiment. Et que quand il me demandera mon métier, je lui dise fièrement que je suis vétérinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit à quel point tu m'intéresses. Je t'aime. Mon cœur. Esteban a dû clôturer le contrat. Il a dû le faire comme si j'étais une idiote qui ne sait pas et qui ne peut pas négocier les choses. Calme-toi. Tu as eu le chanteur que tu voulais? Oui, qu'est-ce qu'il croit? Que je vais l'appeler chaque fois que ça ne va pas? Qu'il volera à mon secours, mais qu'est-ce qu'il cherche? À me faire croire que je compte alors qu'il continue avec l'autre là et il le nie encore devant moi. Marcia, je crois que tu nous fais une crise de jalousie. De jalousie? Bien sûr que non. J'ai été faible et je me suis laissée emporter, mais là, c'est terminé. J'essaie d'apporter un peu de calme à la maison et ici au bureau, j'essaie d'intervenir le moins possible. Mais quand je la vois pour résoudre un problème, elle s'énerve pour un baiser que je n'ai même pas donné à Paola. Ah. Alors arrête de voir Paola, ça n'arrangera pas les choses entre vous. Ce mariage durera pas longtemps, Esteban. Ça se terminera quand Marcia réalisera que quoi qu'elle fasse, ses enfants ne l'aimeront pas. Et en t'éloignant de Paola, tout ce que tu obtiendras, c'est qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Ton ex-copine est très jolie. Et comme on sait que vous êtes séparés, je sais pas combien de types sont après elle. Beaucoup. Et pourtant, elle n'a donné de chance à aucun. Elle est encore très marquée par ce que tu lui as fait, Esteban. Elle est dévastée et pourtant, elle t'attend toujours. Et ça me pèse beaucoup d'être la cause de sa souffrance. Lieutenant. Oui, je l'ai localisée et sous surveillance. Envoyez la police immédiatement qu'il ne s'échappe pas. Je ne peux pas intervenir en dehors de ma juridiction. Mais en ce moment même,
Je préviens la brigade locale. J'espère qu'ils arriveront vite. S'il vous plaît, s'il y a du mouvement, vous m'appelez. Je reste joignable. Oui, lieutenant. Est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose sur Louis ? J'ai besoin que tu signes ça, s'il te plaît. Bien sûr. J'ai localisé Louis, la police est sur le point de l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a, ça va ? C'est Iñaki. Il a trouvé Louis Dominguez. Il se trouve qu'il le surveille en attendant que la police arrive pour l'arrêter. Ah, vraiment ? Espérons que tout ira bien. J'espère vraiment, oui. Comment se passe ta journée ? Bien, ça te dirait de dîner chez moi ? J'adorerais. Plutôt un autre jour, je te dirais. Tu fais quoi ? J'essaye de me connecter à l'application de Dante, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu ma cousine, Bettina. Elle est ici ? Oui, elle est venue pour une histoire de papier, mais elle retourne aujourd'hui à Guadalajara. Et elle va bien ? Je sais pas, elle était très très bizarre. Comme si elle essayait de fuir quelque chose. Je sais pas, c'était pas normal. Et tu crois que Dante la cherche encore à Guadalajara ? Je sais pas, peut-être que oui. Imagine s'il l'a déjà convaincue de travailler pour lui. C'est pour ça que tu veux te connecter et voir si tu la vois ? Oui. Tu pourras pas te connecter, à moins que tu t'abonnes et que tu payes. Mais c'est très difficile, personne peut y entrer. Et si Dante découvre que tu t'es connecté sans sa permission, tu pourrais te retrouver sans emploi. Non, non. Je voudrais t'inviter à dîner ce soir, Floris. Ce soir, mais je ne sais pas si je peux. Ne sois pas méchante. S'il te plaît, ne me dis pas non. J'ai même réservé dans un endroit très chic, oui. Tu vas adorer. Très bien. Je vais profiter de ta compagnie et on va passer une agréable soirée ensemble. Bon, on fait comme ça. On dîne ensemble ce soir, Tortue. Bravo, très bien. Ton rapprochement avec lui va plus vite que je ne le pensais. Hein. Tu ne sais pas à quel point c'est facile de le manipuler. Je t'assure qu'il te soutiendra dans toutes tes propositions lors des réunions. Tu sais, j'y ai réfléchi et je me disais que lui, c'est un gars idéal pour une femme comme toi. Imagine-toi être avec lui. Tu pourrais lui vider son compte en banque. Hmm ? Je n'aime pas le tournant que prend cette discussion. Je ferais mieux de prendre mon sac. Ah, et ne m'attends pas. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Bon, alors, tout ça, c'est bon. C'est vraiment pas facile. Regardez tout ce qu'il y a. J'aurais aimé qu'on dîne ensemble, mais j'ai trop de boulot. Je t'appelle demain, princesse. Ah. Vous deux, je vous charge d'entrer toutes les informations sur les fournisseurs dans l'ordinateur. Parce qu'on doit envoyer ces fichiers à Gaspard demain à la première heure. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Oui, ne vous inquiétez pas. Elle est vraiment très rapide. Et aussi, je peux vous demander une faveur. Quelle faveur ? Je voulais juste aller voir Lucia. Mais comme j'ai beaucoup de travail, je ne pourrai pas y aller. Vous lui ferez un bisou de ma part ? Bien sûr, je lui ferai de ta part. Allez au travail. Ouais. Elle est cool. Un bisou. Bah oui, c'est ma copine. T'imagines pas comment Rimena me fait rire. Ouais, elle est vraiment incroyable. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Oh, Rafa, je t'avais jamais vu aussi heureux et j'adore ça.
T'inquiète pas, bon courage. Qu'est-ce que t'as ? Rien, c'est juste qu'Alvaro a très bien pris la séparation. Pourquoi ? Il a dit quoi ? Bah, il m'a invité à dîner, mais il a beaucoup de boulot. C'est un peu bizarre, non ? Bah ouais, mais bon, je crois qu'il est beaucoup plus mature qu'il n'y paraît. Et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qu'il aime. Il le mérite. Donato, je vois que tu es toujours au bureau. Oui, mon amour. J'ai beaucoup de travail. Oh, quel dommage. Je voulais juste qu'on puisse dîner ensemble. Je t'attends. Allô ? Allô ? Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Mon cœur, tu t'occupes du dîner ce soir ? Oh, je meurs d'envie d'un plat bien piquant. Désolé, je ne pourrai pas venir te voir aujourd'hui. J'ai trop de travail. D'accord. Mais demain, tu m'emmèneras au tournage, pas vrai ? Oui, bien sûr. Me laisse pas tomber, s'il te plaît. Bisous. Des bisous. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as rompu avec Maggie ? Je sais pas, parce que on n'est pas du tout compatibles. Pourquoi ? Bah parce que quand elle m'a raconté, elle a dit que t'avais un souci. Elle a rien dit d'autre, juste que je devais te demander. Donc, c'est quoi le souci ? Attends, viens. Viens. Mais aïe ! J'ai aucun souci, d'accord ? Ça, c'est ce que disent les gens énervés. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais après, j'ai discuté avec d'autres amis. Mais il y en avait deux, trois qui disaient... Eh ben, ne les crois pas, c'était des bêtises. C'était simplement un malentendu. Ok, tu me promets que t'as aucun souci ? Ouais, oui, t'inquiète. Bah si, je m'inquiétais. Je t'aime. Mouah. Bonjour, je suis Hugo Lombardo. J'aimerais prendre un rendez-vous avec le docteur Curiel. Merci beaucoup. Il y a les anniversaires aussi. Ou s'il y a des choses que votre père aimait, vous augmenterez vos chances, je pense. Moi aussi, tu me manques. Je peux entrer ? C'est déjà fait. Lucia... Je suis simplement venue te donner un message d'Alvaro. Il a beaucoup de travail, alors il va finir très tard. Je ne voudrais pas que tu t'énerves contre lui parce qu'il fait ce que je lui ai demandé de faire. Je m'en fiche, on n'est plus ensemble. Quoi ? À cause de Pablo ? Peu importe, on reste amis. Autre chose ? Oui, je voudrais bien te donner l'occasion de me connaître. Vous savez où est la sortie ? Necesito encontrar